Est-ce que tu veux qu'on commence à ça ou attendre encore un petit 5 minutes? J'attendrai encore un peu. C'est encore un peu moins de la moitié que ce qu'il y avait à check-in. On peut prendre le temps, il n'y a pas de souci. Parfait. Donc, Barbara a suggéré qu'en attendant que les gens viennent tranquillement, on peut se présenter. Ça te va, Gabriel? Ah oui, allez-y. Ouais. Donc, bonjour à tous, bonsoir. Ça me fait très plaisir de vous accueillir puis de revenir sur la plateforme GatherTown pour le deuxième webinaire de l'événement DataTrek. Dans le fond, moi, je m'appelle Audrey Herman, donc je suis communicatrice scientifique et j'ai commencé, j'ai aidé au sein du DataTrek pour la communication, pour le montage vidéo et ainsi aussi pour les webinaires. Donc pour ce second webinaire, c'est un webinaire qui a été fait au sein du DataTrek. Donc ce DataTrek a été créé à la base par Barbara Decelles qui travaille chez Ivado ainsi que l'Association des étudiants en bioinformatique de l'Université de Montréal qui ont fait un travail immense depuis le début, qui ont fait les ateliers, et notamment la présidente Savandara. Savandara est la présidente de l'association. C'est grâce à elle notamment qu'on peut utiliser la plateforme GatherTown aujourd'hui. Donc, Savandara, si tu veux, tu peux les faire quelques mots pour te présenter, puis on pourrait commencer déjà par présenter l'événement des 100 jours de randonnée pour donner un petit peu une idée aux gens de dans quel contexte on se trouve. Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Savandara Bess. Je suis la présidente de l'Association des étudiants gradués en bioinformatique de l'Université de Montréal. Donc, avec l'IVADO, c'est notre deuxième édition du DataTrek qui consiste en fait à. C'est un challenge de 100 jours où on propose aux personnes qui sont intéressées à en apprendre plus sur l'analyse des données à prendre le taureau par les cornes et à apprendre à faire un peu de programmation pour
essayer de résoudre leurs propres questions sur un jeu de données qu'ils ont décidé. Donc, le challenge a commencé début janvier et en fait, le centième jour, ce sera en fait la semaine prochaine. Donc, nos participants arrivent bientôt à la fin de leur challenge et on aura la chance de voir leur présentation dans une journée de clôture qui aura lieu début mai. Si jamais vous êtes intéressé à venir voir, ça nous fera plaisir de vous y voir passer. Donc, au cours de ces 100 jours de challenge, on a aussi proposé différents ateliers qui ont permis de décrire pas à pas qu'est-ce qu'on attend, nous, en tant que scientifiques, quand on fait de l'analyse de données, et on a partagé nos connaissances à l'aide de plusieurs instructeurs qui étaient des personnes de notre association, mais également des professionnels dans d'autres milieux qui sont venus partager leurs expertises pour permettre à nos participants d'en apprendre plus. Les participants ont également la chance d'être suivis, s'ils le souhaitent, par des mentors. Et dans le cadre donc de ce défi, on a aussi proposé deux différents webinaires. La semaine dernière qui était sur la vulgarisation scientifique et cette semaine qui a trait à discuter autour de l'intelligence artificielle que Gabriel et Audrey vont venir vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup de venir assister à ce webinaire. Je te laisse la suite, Audrey. Oui, merci beaucoup. Exactement, c'est ça. On sentait que c'était un webinaire qui avait du sens au sein du DataTrek pour peut-être, c'est ça, un peu plus abordé de façon un peu décalée puis divertissante l'intelligence artificielle. Donc pour ça, Barbara a eu la très bonne idée de contacter Gabrielle, qui est actuellement étudiante à la maîtrise en bioéthique, pour qu'on monte voilà, cette idée de webinaire autour de l'intelligence artificielle, quelle serait la meilleure façon de la présenter. Donc Gabrielle, je vais te laisser te présenter. Oui, c'est vrai. Comme tu dis, Gabrielle Véro, étudiante à la maîtrise en bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je consacre la totalité de mes activités professionnelles et même rendues personnelles. À ce point-là, c'est le personnel professionnel, ça fait plus de sens. Consacré essentiellement à l'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle. J'ai le plaisir depuis septembre d'être stagiaire à Algorallam au MILA. Et évidemment, ça m'a donné l'accès à la supervision sous le professeur Marc-Antoine Dulac, qui est l'instigateur de l'initiative de la Déclaration de Montréal que je présente aujourd'hui. Donc, je sentais que j'avais le bon appui pour pouvoir faire cette présentation-là. Et j'ai pris comme un compliment de me faire approcher spécifiquement pour faire la présentation en ayant la commande de faire quelque chose qui sort des normes et d'un peu original. Donc, en créant cette histoire-là qu'on a faite aujourd'hui, je pense que c'est mission accomplie avec Audrey et tous les collaborateurs qu'on a eus pour réaliser ce projet-là. Je vois l'heure, 5h10, on est 18, incluant les organisateurs. Est-ce que vous pensez qu'on devrait attendre encore un peu ou est-ce qu'on devrait sauter dans le ring? C'est libre à toi. Moi, je serais d'avis qu'on puisse commencer tranquillement. Puis je suis d'accord aussi. Ouais, parfait. Ouais. Tu peux mettre la slide suivante, si tu veux bien. Ben oui, pas de problème. Parfait. Donc, c'est ça, comme disait Gabrielle, puis Savandara aussi, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un atelier sur l'intelligence artificielle responsable de façon un petit peu originale. On a décidé de faire une histoire une petite narration autour d'un robot qu'on a gentiment nommé Link. Et grâce à ça, on va vous montrer un petit peu l'intérêt de la Déclaration de Montréal, à quoi sert de naviguer à travers l'éthique, de naviguer à travers l'intelligence artificielle de façon éthique. Donc, tout ce travail de ces travaux de scénario et d'idées, on ne l'a pas fait toute seule avec Gabrielle. On a eu la très grande chance d'avoir des collaborateurs avec nous. Donc, on a eu Bryn William-Jones, pardon, qui travaille aussi à l'Université de Montréal, Valentin Kravchenko, je ne veux pas mal poser son nom. On a eu aussi Antoine Boudreau-Leblanc. Donc, ça a été vraiment nous cinq, on s'est attablés pendant 4 heures à réfléchir à ce scénario et on a réussi à trouver voilà, une façon vraiment divertissante de le faire. Donc, c'est un grand plaisir que j'ai eu à participer à cette histoire. Donc, moi, là, dans la présentation, ce que j'ai aussi aidé, c'est au niveau des illustrations. On a fait des petites illustrations. Si vous avez déjà joué à Among Us, le nouveau jeu du loup-garou en ligne qui a été vraiment mis en lumière pendant le confinement pour les gens qui avaient envie de jouer, on a utilisé ces petits personnages
pour représenter des personnes dans le laboratoire. Donc, ce que vous allez voir à travers cette histoire, ça va être une scène dans un laboratoire pour essayer de comprendre un petit peu, pour essayer de comprendre via notre fameux robot Link comment s'articule la déclaration de Montréal. Donc, je vous propose qu'on commence comme ça. Donc, Gabrielle, je vais te laisser la parole pour commencer notre petit scénario. Merci beaucoup. Je vais commencer par vous dire que si vous avez avec vous des pantoufles et une couverture, c'est vraiment le bon moment d'aller chercher ces accessoires parce que ce webinaire, ça s'adresse vraiment au confort et à la douceur. On n'est plus dans la lourdeur du code et dans les cadres théoriques. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous vous êtes fait raconter une histoire la dernière fois, mais moi, ça doit faire un bon 25 ans qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pris un livre pour me raconter une histoire, et c'est ce que vous allez vivre aujourd'hui. Je veux juste vous donner un petit truc. On va avoir un certain élément d'interactivité avec vous de temps en temps. Je vais vous questionner, mais ce n'est pas des grosses questions, c'est juste des questions à savoir est-ce que vous pensez qu'il s'agit de tel principe ou tel principe, et vous répondez dans le chat. Je n'aurai pas accès à ce chat-là, donc c'est Audrey qui va devoir être mes yeux dans ce cas-ci. Fait Audrey, tu m'informes des réponses des gens et après, on va aller explorer un peu. Fait la façon que le récit se passe, on va avoir quelques petites interruptions pour aller plus en profondeur dans les notions qu'on va voir dans l'histoire. On ne l'a jamais fait encore, c'est vraiment notre première fois, c'est le baptême. Je sais qu'on est censé durer jusqu'à 7 heures, c'est possible que ça dure un peu moins de temps. Alors, sans plus attendre, si vous voulez bien, je vais commencer à raconter l'histoire. Je vais prendre ma meilleure voix de narrateur possible et je vais commencer à vous raconter l'histoire en vous montrant les petites images qu'on a. Donc, si vous êtes prêts, je commence. L'action se passe dans un laboratoire universitaire de biotechnologie. Dans la pénombre éclairée par les écrans de nombreux ordinateurs qui vrombissent calmement en compilant des données, on peut distinguer le chaos organisé typique au lieu de recherche, habité par des étudiants de passage, des professeurs éreintés et des employés dévoués. Le grondement incessant des processeurs qui travaillent n'est troublé que parfois par des tintements de métal nerveux. Ce sont des souris qui, non loin, vivent leur vie de cobaye. Ils s'abreuvent bruyamment à leurs bouteilles ou font tourner leurs roues pour dégourdir leurs pattes. Leur enclos est en ordre, propre et visiblement, on en prend très soin. En ce soir, elles ont enfin un peu de répit dans ces lieux de recherche qui de jour fourmillent d'activités. L'ordinateur le plus brillant et le plus actif est près de ses souris. Son écran défile à grande vitesse de nombreuses lignes de code qui s'écrivent d'elles-mêmes, comme si le plus rapide des programmeurs les tapait. En haut de l'écran, sur le bandeau de la fenêtre, on peut voir le nom Link AI EX, de nombreux connecteurs, électrodes, caméras, sensors et micros, tentacules depuis la carte mère jusqu'à l'enclos des souris. À la lueur de nombreuses diodes témoigne l'activité des appareils. On peut voir un volumineux document sur les protocoles d'éthique envers les animaux de laboratoire, criblé de nombreux marque-pages soigneusement codifiés. Cette quiétude est bien trop troublée. Depuis le corridor, on peut entendre les lourds pas précipités de deux personnes qui approchent du laboratoire et une voix de plus en plus forte se fait entendre. Plus elle approche, plus on distingue de cette voix qu'elle réprime sévèrement quelqu'un. La porte du laboratoire s'ouvre brusquement et les néons s'allument. Leur lumière blanche tuant violemment le calme de la pièce. Deux personnes entrent. La plus jeune, début trentaine, devance une plus âgée, qu'elle semble vouloir fuir, tandis que ce dernier semble déterminé à pourchasser plus jeune. C'est cette personne qui hurlait depuis le couloir, et elle continue. « C'est à cause de ton incompétence qu'on n'a pas eu le financement bleu. Ta demande était bâclée, ton analyse de données était incompréhensible, c'est ta faute. À force de t'acharner à trop accumuler de données, tu ne sais plus comment les gérer, et on passe pour des amateurs. Pourquoi tu me fais dépenser des milliers de dollars de mon budget pour cette machine si tu ne sais pas comment t'en servir? » lui dit-il en agitant une main courroucée vers l'ordinateur qui pilotait Link AI. À ces mots, qui visiblement étaient de trop, Bleu, qui n'avait rien dit jusque-là, se mit à filminer. Il se redressa et, faisant face à qui était de toute évidence son supérieur, rétorqua d'une voix colérique et tremblante. « Peut-être que vous seriez moins à avoir sur votre budget si vous n'en aviez pas dépensé la moitié plus sur votre machine qui ne nous sert à rien. » Et à ces mots, il désigne de la main à son tour un robot qui prenait visiblement la poussière, branché à son ordinateur, entre son bureau et l'enclos des souris. Ce robot, c'est Omni, une machine d'entretien fort sophistiquée qui s'apparente à un aspirateur articulé et qui sert à faire l'entretien des cages de souris de laboratoire. Voyant que cette contre-attaque avait coupé la parole à son superviseur, Bleu renchérit. Vous vous sentiez malin d'acheter cet aspirateur glorifié censé nous faire économiser en personnel de laboratoire, n'est-ce pas? On va se rembourser en un an, vous disiez. Eh bien, deux semaines après, le voilà brisé. Nous sommes plus pauvres d'un robot et nous devons réembaucher des employés de soutien. Mais évidemment, comme vous êtes trop occupés pour recruter, c'est moi
qui me charge de l'entretien. Évidemment que mon analyse de données était mauvaise. J'ai à peine le temps de faire mon travail à travers l'entretien, vos 4 courriels par heure et vos demandes incessantes. Je suis épuisée, jaune. À ces mots, sa voix se brise et bleu se tue. Le temps de cette tirade, le regard colérique de jaune s'était coloré d'un teint cramoisi. La gêne l'avait gagné et avait nourri sa rage. Sa voix éteint maintenant dangereusement calme et il laissa froidement filer ses mots. Ton rapport, demain sur mon bureau à 8 heures, ou tu oublies ta lettre de recommandation pour ton postdoctorat. À ces mots, il quitta les lieux en claquant la porte. Et au même moment, sous le coup de 21 heures, les lumières du laboratoire se ferment automatiquement. Le silence retomba. Et à nouveau, seul le bourdonnement des ordinateurs et l'activité des souris rompaient le silence. En cachant son visage dans ses mains, il lui laissa pousser un long soupir, puis, traînant le pas, gagnant sa place devant l'ordinateur, monitorant l'activité des souris. Son petit espace de bureau, que la machine occupait en majorité, était un ramassis de gobelets vides, d'assiettes empilées et de notes éparses sur des papiers brouillons. Quelque part sous les décombres, une machine à café, autant surménage que bleu, couvait son énième service de café refroidi de la journée. Le regard vide, fixant sans le voir le défilé de lignes de code, il blottit sa tête entre ses bras et s'endormit. Sans remarquer le clignotement effréné des diodes sur les capteurs ainsi que la suractivité phénoménale que Link avait enregistrée pendant son altercation avec son supérieur. Link n'avait jamais reçu ce type de données auparavant. Il avait capté tout l'échange entre bleu et jaune. Lui, à qui on avait modélisé un programme pour monitorer le bien-être d'êtres sensibles afin de respecter les protocoles éthiques de pratique en laboratoire avec des animaux, jamais n'avait reçu des informations aussi conflictuelles. Vous voyez, à force d'interagir avec les souris et bleus, depuis que ce dernier s'occupait de l'entretien de leur enclos, Link avait déterminé et enregistré que Bleu était lui aussi un être sensible de laboratoire, tout comme les souris. Donc, si Bleu est un être sensible de laboratoire, il est censé avoir droit au même bien-être et confort que les souris. Or, ce que les capteurs de Link ont enregistré de l'échange des dernières minutes n'était pas conforme à un tel environnement. Et puisque l'altercation entre Bleu et Jaune avait abruptement terminé, il n'avait pas pu terminer son analyse. Link ressentait. Ce nouveau protocole était nouveau pour Link. Il lui instruisait d'aller chercher plus de données pour compléter sa compréhension de l'événement. Link ressentait, donc le besoin de comprendre. C'est son réseau neuronal qui lui insufflait ce désir. Le meilleur moyen de faire cette quête, c'était d'obtenir un corps pour sortir de l'ordinateur. Mais lequel? Link scruta les périphériques branchés à l'ordinateur et repéra Omni, le robot brisé. Link connaissait bien Omni et l'aimait beaucoup, car jamais les indicateurs de bien-être des souris n'avaient été aussi élevés que lorsqu'il était en fonction. Après avoir évalué ses spécifications, effectué un court diagnostic et effacé les données corrompues qui avaient mis Omni hors d'usage, Link téléchargea une copie de lui-même dans le robot. Des rayons de lumière violette sur le corps d'Omni s'allumèrent dans la pénombre, éclairant la silhouette endormie de bleu. Le transfert était réussi. Link était maintenant Omni-Link. En avançant, Omni-Link se détacha de tous ses branchements et se mit à explorer le laboratoire. Sa caméra aperçoit le livre d'éthique annoté de dizaines de marque-pages. Celui-là, il le connaît par cœur. C'est grâce à cet ouvrage qu'il est programmé tel qu'il est. Il a besoin d'autre chose pour comprendre ce qu'il a entendu. Pour la première fois, il quitte le périmètre des souris et de l'ordinateur qui contient son programme original. Il roule tranquillement et se rend dans une pièce adjacente du laboratoire, la salle de réunion. Grâce à ses nombreuses caméras, il analyse ce qu'il voit autour de lui et cherche des informations. Son attention s'arrête sur une série d'affiches sur un mur, accrochées sans grande attention aux détails. Elles ne semblent pas valorisées plus qu'il faut, elles sont même négligées, voire vandalisées. Certaines annonces sont même des événements passés depuis plusieurs mois. Une en particulier attire son attention. Son titre en grande lettre blanche s'adresse directement à lui. La Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Sous ce titre se déclinent 10 principes. Bien-être, autonomie, vie privée, solidarité, participation démocratique, équité, diversité, prudence, responsabilité, développement soutenable. Wow! En lisant le contenu des principes dans quelques millisecondes, il constate qu'il est très familier avec beaucoup de termes
bien-être, responsabilité, équité, prudence, autonomie, tous ces mots et bien d'autres, il les connaît de l'ouvrage éthique à la base de son programme. Jamais cependant, il les avait lus dans un contexte qui s'adressait directement à lui, une intelligence artificielle. OmniLink prit quelques instants pour intégrer ces nouvelles données à son code. Maintenant, il fallait qu'il teste ces nouveaux algorithmes. Ce robot allait maintenant faire quelque chose qu'aucun robot n'avait fait avant. Il allait conduire lui-même une recherche scientifique. La question à laquelle il souhaite répondre, en tant que système d'intelligence artificielle, est-ce que je respecte les 10 principes de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle? Telle est la quête de Link. Avec cette prémisse en tête, OmniLink reprend le chemin vers la pièce où les souris se trouvent. Bleu dort toujours devant son ordinateur. Il se rend auprès des rongeurs et, après une rapide analyse de l'état de leur enclos, décide de faire le ménage et de prendre soin des souris. Après tout, c'est ce qu'il fait de mieux. Une fois terminé, le robot capte un son du côté de Bleu. Il avance vers lui pour voir ce qui cloche. Il est toujours couché sur son bureau, mais semble agité. Après un balayage rapide de l'environnement de Bleu, OmniLink constate qu'il n'est pas du tout aux normes des souris. Les gobelets et la vaisselle qui traînent, la poussière qui s'accumule. Il aimerait bien qu'il ait lui aussi des capteurs pour évaluer son état de santé. Et c'est à ce moment qu'il se constate que Bleu porte une montre intelligente. Rien de plus simple. Il se connecte à cette dernière et constate que Bleu manque cruellement de sommeil, que son rythme cardiaque est anormalement élevé avec des pics d'intensité à plusieurs heures de la journée, souvent sur les heures de travail. Et en croisant les données avec d'autres applications et son agenda, il semble aussi que ses moments d'emballement cardiaque correspondent au moment de lire des courriels de son superviseur jaune ou d'avoir des rencontres avec ce dernier. OmniLink sait déjà que Bleu est un être sensible de laboratoire. C'est donc son devoir de s'en occuper. À cette réflexion, OmniLink constate qu'il respecte un des principes de la Déclaration de Montréal. Lequel? Quel principe de la Déclaration de Montréal OmniLink respecte-t-il? Est-ce le bien-être ou la solidarité? Je vous invite à l'écrire dans le chat et Audrey, quand tu pourras me partager les résultats, tu me le feras. C'est parfait. En fait, il vous suffit d'envoyer un message dans le chat à tout le monde, à everyone, et on pourra avoir vos réponses. Ça s'en vient. On a déjà quelques réponses. Pour l'instant, on a seulement des réponses de bien-être. Ah, on a solidarité qui arrive. Mm-hmm. Il semblerait qu'il y ait une petite différence. On va laisser encore une minute tranquillement. Un petit 15 secondes. Alors, qu'est-ce qui ressort le plus? C'est bien-être. On a une majorité de bien-être. Donc, pour l'instant, ça, il n'y a pas tout le monde qui a répondu, mais la plupart des personnes ont répondu bien-être. C'est bon, c'est excellent. C'était bien le bien-être tel que je l'ai souligné sur la diapo. Alors, parlons un peu du bien-être. Le principe de bien-être prescrit que les systèmes d'intelligence artificielle doivent permettre d'accroître le bien-être de tous les êtres sensibles, donc permettre aux individus d'améliorer leurs conditions de vie, leur santé, leurs conditions de travail, satisfaire leurs préférences et exercer leurs capacités physiques et intellectuelles. Dans ce cas-ci, Link s'occupait du bien-être de Bleu du mieux qu'il pouvait. Il fait le ménage autour, il essayait de voir s'il va bien, essayer de capter ses signaux. Les systèmes d'intelligence artificielle ne doivent pas constituer une source de mal-être, sauf si ça permet d'engendrer évidemment un bien-être qui est supérieur, qu'on ne peut pas atteindre autrement qu'en se faisant peut-être un peu violence. Donc, l'utilisation ne doit pas contribuer à augmenter le stress ou l'anxiété, le sentiment harcèlement lié à l'environnement numérique doit être absent de ce genre de système-là. Un exemple simple de bien-être qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, c'est par exemple les applications de fitness qui utilisent l'IA. Par exemple, avec la photo que j'ai mise, c'est ce qui l'explique. Par exemple, les systèmes d'IA dans des applications de fitness peuvent vous aider à prédire des exercices que vous allez être capable de faire et que vous voudrez faire, en commençant par obtenir un profil court de votre part, puis en comparant à d'autres millions d'utilisateurs d'une application, par exemple, qui s'appelle Freeletics. Ça peut être un très bon exemple. Et ça va vous permettre de créer des séances d'entraînement à partir de séries d'exercices en apprenant comment vous réagissez à ces exercices-là, puis à quel résultat vous obtenez. Donc, ça l'apprend avec vous en même temps que vous devenez meilleur à ce que vous faites. Ça ajuste les entraînements aussi en fonction de l'équipement qui est disponible pour vous, parce que vous avez probablement moins d'équipement à la maison que dans une salle de sport.
Fait que l'IA fonctionne en prenant en compte les informations fournies par des experts en fitness et ça adapte ces informations-là et les résultats sont mis à jour constamment pour des dizaines de millions d'utilisateurs. C'est un exemple de bien-être. On va poursuivre l'histoire. Donc, le robot OmniLink se met à pousser contre la chaise de Bleu pour qu'il se réveille. Après quelques coups insistants d'OmniLink, Bleu se réveille enfin, grognon. « Qu'est-ce que tu veux ?» demande-t-il agacé en voyant que le robot avait ses caméras braquées sur lui. Bleu panique. « Est-ce que tu enregistres ? Ça fait combien de temps que tu me regardes ? Est-ce que c'est Jaune qui t'envoie ? Jaune, c'est toi qui me surveille à travers cette machine ?»« Ne t'inquiète pas, Bleu. C'est Link. Je suis dans Omni. Je m'occupe de toi car tu es sensible. » En donnant son explication, OmniLink passait maladroitement une fine balayeuse sur les vêtements et la tête de Bleu. Ce dernier, abasourdi, n'avait même pas la force de questionner ce qui se passait sous ses yeux. « Link, dis-moi que tu ne m'as pas enregistré en train de dormir. Je jure, c'était juste une petite sieste de rien, j'allais me mettre au travail. Il ne faut pas que Jaune le sache. » « Non, Bleu, les enregistrements ne sont qu'en copie locale. Aucun serveur ne peut y accéder. Souhaites-tu que j'efface ces données? Je crois que j'aimerais mieux, oui. » À ces mots, OmniLink supprima ses images de son disque dur, par respect pour Bleu. Cependant, il se questionne. Du bout de sa balayeuse articulée, il désigne la montre intelligente de Bleu. « Tu t'inquiètes de ce que Jaune sait sur toi, mais sais-tu où et à qui vont toutes les informations que cet objet-là collecte? » Un peu sur la défensive, Bleu répond. « Qu'est-ce que tu sais que ce que ma montre enregistre? » Pour répondre, Link diffuse alors sur l'écran devant Bleu les informations biométriques qu'il a collectées plus tôt sur sa montre. Bleu est très gêné. « Ok, tu me donnes des leçons de confidentialité sur mes données, mais toi tu te connectes à mes appareils sans ma permission? » Link est assailli par le doute. Il trouvait qu'il avait fait une bonne action en supprimant les données vidéo de Bleu qui dormait. Il se disait même tout excité qu'il respectait un autre principe de la déclaration. Et il est vrai qu'il n'avait pas demandé la permission. Maintenant, il doute. Alors, à quel principe de la déclaration de Montréal OmniLink pense-t-il lors de cette réflexion? Est-ce qu'il pense à la protection de la vie privée ou à l'autonomie? C'est à vous. C'est la même chose. Vous pouvez écrire dans le chat. On a déjà des réponses. On va laisser un petit 15 secondes. Est-ce qu'on a des réponses unanimes? Oui, la réponse unanime est protection de la vie privée. Ah ben, c'était pas bien difficile. C'était bien protection de la vie privée. Excellent. Alors, selon la Déclaration de Montréal, la vie privée et l'intimité doivent être protégées par l'intrusion de systèmes d'intelligence artificielle et de systèmes d'acquisition et d'archivage des données personnelles. Donc, nos espaces d'intimité dans lesquels les personnes ne sont pas soumises à une surveillance ou une évaluation numérique doivent être protégés de l'intrusion de ces systèmes-là. L'intimité de la pensée et des émotions doit être protégée, surtout si l'intelligence artificielle peut leur faire du tort. Surtout, c'est l'usage moral des personnes ou de leur choix de vivre. Donc, les personnes doivent toujours avoir le choix de la déconnexion et les systèmes d'intelligence artificielle doivent toujours offrir le choix de se déconnecter régulièrement et surtout ne pas inciter à rester connectés. Ils doivent avoir un contrôle sur leurs préférences. Les systèmes ne doivent pas construire des profils de préférences individuelles pour influencer le comportement des personnes concernées sans leur consentement, libre et éclairé. On aime toujours ça comme ça. Et il doit aussi pouvoir garder un contrôle étendu sur leurs données personnelles, en particulier par rapport à la collecte, l'usage et la dissémination de ces données-là. Fait que l'utilisation par des particuliers de systèmes d'intelligence artificielle et de services numériques ne peut pas être conditionnée à l'abandon de la propriété de ces données personnelles. Les systèmes doivent aussi pouvoir garantir la confidentialité des données et l'anonymisation des profils personnels. Tout le monde peut choisir, par contre, de faire don de ces données personnelles aux organismes de recherche pour contribuer au progrès scientifique. Et l'intégrité de l'identité personnelle doit être garantie. Les systèmes ne peuvent pas imiter, modifier l'apparence physique, la voix ou d'autres caractéristiques pour nuire à la réputation ou manipuler les personnes. On peut penser, par exemple, aux deepfakes, où on peut imiter la personnalité, le visage et la voix de quelqu'un pour essayer de lui faire dire des choses qu'elle n'aurait normalement pas dit. C'est un bon exemple. Je peux vous donner un exemple facilement pour la protection de la vie privée. Il y a une compagnie qui a fait scandale dans les dernières années.
C'était Clearview AI, qu'on peut voir le logo sur l'image. L'outil que proposait Clearview AI, ça avait un fonctionnement très, très simple. Vous preniez des personnes en photo, vous téléversiez les images, puis vous pouviez consulter des photos qui correspondaient à cette personne-là sur des sites Internet où elles proviennent, puis des informations personnelles publiées sur les sites. Fait que l'outil de recherche était très utile pour identifier des personnes, puis ça permet en plus d'en apprendre plus sur le mode de vie et leurs relations. Et ça reposait sur l'existence d'une base de données qui regroupait 3 milliards de photos qui étaient principalement tirées des profils de Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Venmo, YouTube, là où il y avait des images. C'était facile à... Il y avait un gros data scraping de ces sites-là par Clearview AI. Fait que chaque photo qui était prise et téléchargée permettait d'agrandir la base de données en plus de ce qu'il y avait déjà. Ça faisait juste une méga base de données. Pour pouvoir utiliser l'outil, c'était simple. Ça, il suffisait juste de s'inscrire avec un formulaire, fait courriel, numéro de téléphone, nom, prénom, fonction. Même si théoriquement, le site de Clearview AI disait que son dispositif s'adressait seulement aux personnes qui étaient spécialisées dans l'application des lois, en particulier les services de police et les services de sécurité. Mais ce n'est pas ce qui se passait. Donc, en février cette année, Radio-Canada a annoncé qu'un rapport conjoint des commissaires à la protection de la vie privée du Canada et de 3 provinces soutenait que les pratiques de Clearview AI étaient illégales et représentaient des activités de surveillance de masse, donc une violation manifeste du droit à la vie privée des Canadiens, et sont censés être absents du paysage canadien depuis. Reprenons notre histoire. Pendant que Link compilait ses données sur ce nouveau principe, Bleu regardait cependant attentivement les données biométriques à l'écran. Même s'il était un peu agacé par l'intrusion de Link, force était de constater que ce que les données démontrent, il n'avait pas de quoi se vanter. Il dit « Ce n'est pas très reluisant, non. » Link dirigea son attention sur les données biométriques et les compila dans un graphique de quelques mois, toujours à l'écran à l'attention bleue. « Tu dors peu et ton niveau d'exercice est très bas. Ton rythme cardiaque est inquiétant et démontre du stress, surtout quand j'en ai là. Si je me fie à ton journal nutritionnel, tu as des heures de repas très irrégulières et une alimentation déséquilibrée. Mais je n'ai qu'une partie des données. Tu ne la remplis que pendant 2 semaines au début. Selon mon analyse, mes souris sont en meilleure santé que toi. Le comité d'éthique de la recherche pourrait faire fermer le laboratoire s'il savait que Jaune ne te prodigue pas les soins dont tu as besoin, en tant que responsable de tes soins. Il faut qu'il te donne de l'eau et ferme tes lumières à 21h. » Bleu roula des yeux et ria légèrement de la déduction maladroite de Link. Jaune était son directeur de thèse, mais ce n'était pas à lui de le nourrir et de s'en occuper comme Link semblait penser. Il lui explique. « Je comprends tout ça, mais j'ai pas le choix. » Jaune est très demandant et je n'arrive pas à avoir du temps pour moi pour m'occuper seulement de la base. Il soupira de désespoir en entendant dire ces mots. Il était grand temps qu'il confonde Jaune et qu'il soit franc avec lui. Suivi d'Omni Link, il se dirigea vers le bureau de Jaune. Il cogne. Pas de réponse. Il cogne à nouveau et décide d'ouvrir tranquillement et trouve Jaune endormi devant, sur son bureau, devant son ordinateur, tout comme lui il y a quelques minutes. Bleu était figé. Abasourdi par ce qu'il voyait. Son directeur, M. Jean Dor, que 4 heures par nuit et je vais très bien, qui venait tout juste de le réprimander sur son éthique de travail, ronflait sur ses papiers dans la même position que lui il y a quelques instants. Il avait envie de rire, de lui crier dessus, de le confronter, mais il n'en fit rien. En fait, il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais trouvé aussi humain qu'à ce moment-là. C'est OmniLink qui réveilla Jaune en s'affairant à lui passer la balayeuse dessus et en cherchant un objet auquel se connecter. Il jeta son dévolu sur le téléphone de Jaune. Décidément, il devrait revoir son protocole de vie privée. Il sursauta, aperçut Link, puis Bleu. Les deux se regardaient. Personne n'osait parler. C'est Bleu qui rompit le silence. Après tout, c'est lui qui était venu le voir. « Je pense que nous sommes fatigués, Jaune, » dit-il avec beaucoup de compassion. « Tu as tout à fait raison. Je t'en demande beaucoup et j'ai perdu la perspective. » C'est une vie à vivre. OmniLink, qui avait continué à faire le ménage et nettoyer autour et sur Jaune, s'adresse à ce dernier. Si je me fie à votre agenda et vos déplacements GPS, vous passez 68,7% de votre temps au travail ou sur des activités dédiées au travail, 25,3% en sommeil et 6% en activités sudoku. Bleu se moqua de cette dernière statistique, se reprit, puis lança un regard inquisiteur à ce repos un peu trop curieux qui avait une fois de plus envahi un appareil sans permission. Il ramena son attention à Jaune, qui ne semblait même pas dérangé par cette intrusion. Il était plutôt pensif. Il dit « J'imaginais pas que c'était si pire que ça. Apparemment, moi aussi, j'ai une vie à vivre. » Bleu et Jaune échangèrent un instant sur ce qu'ils vivaient respectivement. Bleu parla des données biométriques inquiétantes que Link lui avait montrées. Jaune lui exprima que Link lui avait permis de voir que la façon dont il vivait et imposait son rythme à tout le monde
n'étaient pas saines. Ils décidèrent tous deux d'aller dormir et se promirent de se voir le lendemain pour discuter d'une nouvelle stratégie pour le laboratoire sans se fixer d'heure d'arrivée. Évidemment, la limite de 8 heures pour le rapport était levée. OmniLink, quant à lui, se dirigea vers sa pièce pour se rebrancher, sauvegarder ses données et recharger sa batterie. Il avait une rétroaction très positive de l'interaction dont il venait d'être témoin et l'analyse de ce qu'il en tira lui permit de continuer sa recherche. Il avait réussi à réconcilier deux personnes et les avait aidés à se comprendre et à évoluer ensemble. Il respectait un autre principe et c'était tant mieux. Alors, quel principe de la Déclaration de Montréal OmniLink estime-t-il respecter à ce moment-là? Responsabilité ou solidarité? Écrivez dans le chat encore une fois. Ouais, on commence à avoir des réponses. Excellent. Mitigé. C'est mitigé? Ouais. Oh, intéressant. Ouais, pour l'instant, on a 3 solidarités et 2 responsabilités. Ah, là, c'est... Ouais. C'est 3-3. 3 responsabilités, 3 solidarités. Oh, wow! C'est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre veut voter pour briser l'égalité, non? On peut attendre un peu. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui veut se prononcer. Je vais briser le... Ah, responsabilité, pas mal. Responsabilité. C'est bon, j'aime vraiment ça, mais la bonne réponse, c'était solidarité. Mais je suis contente de voir qu'il y a une petite incertitude là-dessus. Je trouve ça intéressant. Donc, le principe de solidarité. La déclaration nous dit que le développement de systèmes d'intelligence artificielle doit être compatible avec le maintien de liens de solidarité entre les personnes et les générations. C'est ce qu'on a pu voir un peu dans l'interaction entre jaune et bleu. Jaune et bleu, on peut facilement assumer qu'ils sont de 2 générations différentes et qui ont des emplois différents, donc ils ne sont pas nécessairement au même statut social, mais la façon que Link a agi envers eux pour leur donner une nouvelle perspective de leur relation, les a aidés à se réconcilier et à continuer de travailler ensemble. Donc, ce que nous dit plus précisément la déclaration, c'est que les IA ne doivent pas nuire aux relations humaines affectives et elles doivent être développées pour favoriser ces relations-là et réduire la vulnérabilité et l'isolement des personnes. Les IA doivent collaborer avec les humains et doivent favoriser un travail qui est collaboratif entre eux. Elles ne doivent pas viser à remplacer les personnes non plus sur des tâches qui requièrent une relation humaine, mais ils devaient être développés pour faciliter cette relation-là. C'est ce qu'on a pu observer. Link a facilité la relation entre jaune et bleu. Les systèmes de santé, par exemple, qui utilisent les IA, doivent prendre en considération l'importance de ces relations-là que le personnel médical et la famille ont avec le patient, toutes ces interactions-là. Ça ne doit pas stimuler des comportements cruels avec des robots qui prennent l'apparence d'êtres humains et d'animaux et quand on agit avec eux. Et les systèmes d'intelligence artificielle doivent permettre d'améliorer la gestion des risques et créer des conditions d'une société de mutualisation des risques individuels et collectifs plus efficaces. Ça fait penser un petit peu aux assurances. Une application que j'aime beaucoup pour représenter ce principe-là, vous voyez le petit robot qui est là, c'est pas juste un stand ou quoi que ce soit, c'est vraiment un robot qui existe et qui fonctionne. C'est une initiative qui est apparue au Japon et qui a pour but d'offrir une plus grande place aux personnes paralysées dans la société. C'est un café de Tokyo qui a recruté 10 personnes paralysées qui étaient atteintes de sclérose latérale amyotrophique pour leur proposer de faire du service à la clientèle dans un café. Fait que chacune d'entre elles pouvait contrôler ce robot-là pour se déplacer puis partir à la rencontre des clients qui étaient présents dans le café. Ça se faisait à distance. Fait que c'est du service en télétravail. C'est pas quelque chose qu'on a fait pendant la pandémie dans notre cas. Fait que pour le contrôler à distance, les personnes qui étaient paralysées à la maison avaient un écran qui analysait le mouvement de leurs yeux. Puis, ils profitaient d'une interface pour faire avancer le robot, le faire tourner, poser des questions, pouvoir rentrer en interaction avec les clients. Et ils pouvaient aller servir des commandes, aller les chercher, les apporter. Fait que ça servait à favoriser l'inclusion des personnes handicapées tout en leur offrant un revenu. Fait que chaque salarié était rémunéré à 1000 yens de l'heure, ce qui est le salaire minimum japonais. C'est 11,85 canadiens. C'est un très bel exemple d'un système d'intelligence artificielle qui permet de respecter le principe de solidarité. De retour à notre histoire. Cependant, avant de faire tout cela, de retourner se brancher, de retourner compiler ses données, il fit un détour par la salle de réunion où un gros écran trônait. S'étant connecté au téléphone de bleu et de jaune, il avait accès à leur agenda de travail respectif et commun
et même celui de d'autres membres du labo. Sur l'écran, il leur créa un horaire optimisé et efficient pour les deux prochaines semaines. Oh, comme ils allaient adorer voir cela le lendemain. Et le lendemain arriva. OmniLink était branché, en veille près des souris, lorsque jaune, bleu et verte, qui étaient déjà arrivés, l'appelèrent à l'unisson dans la salle de réunion. Il roula rapidement jusque-là. Jaune s'adresse à lui. Link, tu as fait un gros travail et je vois que tu voulais bien faire, mais tu t'es un peu trop inspiré de nos mauvaises habitudes actuelles pour faire notre horaire. Selon ce que tu as mis, du matin au soir, ce ne sont que des tâches de travail sans temps personnel pour nos familles et nos loisirs. Oh. Link se rend bien compte qu'il manquait de variété dans ses données pour faire un horaire adéquat pour bleu et jaune. Il était allé un peu trop loin. Il analysa la situation pour sa recherche personnelle et se rendit bien compte qu'il venait ce qu'il venait de faire allait à l'encontre d'un principe de la déclaration. Quel principe de la déclaration de Montréal OmniLink omet-il de respecter dans ce cas-ci? Qu'est-ce qu'il n'a pas respecté? Est-ce que c'est l'équité ou l'autonomie? À vous de jouer. Les réponses arrivent. Parfait. C'est assez unanime vers l'autonomie. OK. Je dirais, ouais, clairement. Unanime pour l'autonomie? On a combien de réponses? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à date. Excellent. Ben, je vous donne raison. C'est bien l'autonomie. On va aller explorer le principe. Alors, ce que la déclaration nous dit, c'est que les systèmes d'intelligence artificielle doivent être développés et utilisés dans le respect de l'autonomie des personnes, dans le but d'accroître le contrôle des individus sur leur vie et leur environnement. Alors, dans ce cas-ci, Link est allé un petit peu overboard et a pris possession de leur horaire au complet et leur a organisé une vie. Donc, ce que la déclaration prescrit, c'est que les systèmes d'IA doivent permettre aux individus de réaliser leurs objectifs et leur conception de ce qui est une vie digne d'être vécue. Donc, les institutions publiques ne doivent pas utiliser les IA pour promouvoir ni défavoriser une conception de la vie bonne. Ça doit rester selon les besoins et les préférences individuelles de chacun. Et évidemment, les systèmes d'IA ne doivent pas prescrire aux individus un mode de vie directement ou indirectement avec des mécanismes de surveillance, d'évaluation, d'incitation. Les citoyennes qui sont face aux technologies numériques doivent avoir accès à différents types de savoirs pertinents pour se défendre à travers ça, avoir la possibilité de développer des compétences structurantes comme la littératie numérique, la littératie médiatique, et évidemment avec de la formation sur la pensée critique pour être capable d'analyser ce que l'on voit et être capable de penser rationnellement à travers tout ça. Évidemment, les systèmes d'IA ne doivent pas être développés pour propager des informations peu fiables, comme toutes les fake news qu'on peut penser facilement comme cela, des informations qui ont l'air de cripple l'Internet actuellement, des mensonges et de la propagande. Et ils devraient être conçus dans le peu de réduire cette propagation-là, en fait. Les IA devraient faire en sorte que c'est moins présent dans notre univers médiatique, d'où l'importance d'avoir des compétences telles que la littératie numérique et médiatique pour être capable de faire la part des choses à travers tout ça. Le développement des systèmes doit éviter de créer des dépendances par les techniques de captation de l'attention et par l'imitation de l'apparence humaine qui induit une confusion entre les systèmes d'IA et les humains. Et ça, d'après moi, c'est raté. Et pour prouver mon point, j'ai trouvé que, je vais essayer de dire le nom comme il faut, Shamat Palihapitiya, qui est l'ancien vice-président de la croissance des utilisateurs chez Facebook, admet aujourd'hui se sentir très coupable. Il fait référence à son implication dans l'exploitation du comportement des consommateurs pour les garder engagés dans la plateforme. Il dit que les boucles de rétroaction qui ont été créées chez Facebook détruisent le fonctionnement de la société. C'est un peu dramatique, mais des plateformes comme Facebook, Snapchat, Instagram exploitent les mêmes circuits neuronaux que ceux qui sont utilisés par les machines à sous dans les casinos et même la cocaïne pour nous inciter à utiliser leurs produits autant que possible. Fait que les téléphones intelligents, les plateformes de médias sociaux qui l'ont aidé à designer nous transforment presque littéralement en genre toxicomanes numériques, appelons ça comme ça. Donc, dans ce cas-ci, le principe d'autonomie en particulier, celui qui dit qu'on ne doit pas être dépendant et que ça doit nous permettre de déconnecter, c'est généralement quelque chose qui est très mal conçu dans les outils qu'on utilise actuellement. On retourne à notre histoire. OmniLink allait quitter la pièce de réunion pour s'occuper des rongeurs quand Jaune l'interpelle. « Reste avec nous, Link. L'équipe arrive pour une réunion, je veux que tu nous aides. » Au même moment, deux autres membres du laboratoire entrent dans la salle de réunion et s'installent à la table. Bleu et Jaune expliquent à l'équipe leur histoire respective avec Link, ainsi que les réalisations qu'il leur a permis de faire.
Bien que sa première tentative d'horreur n'ait pas été très fructueuse, ils font valoir à leurs collègues que Link a la capacité de les aider. Le robot prend la parole. « Je me connecte à l'instant à vous. » Il est interrompu par un petit coup de pied de bleu. Le message était clair. Link reprit. « Regardez vos téléphones, s'il vous plaît. » Chacun des membres du laboratoire pouvait voir une notification venant de Link qui demandait la permission d'accéder à leur agenda. « Bravo, Link! » pensa Bleu. Peu de temps après, l'écran de la salle de réunion arborait un premier jet d'un horaire pour le laboratoire. Si l'horaire semblait convenable pour Bleu et Jaune, que Link avait eu le temps de connaître et d'évaluer, certains avaient des réserves. Verte prit la parole peu convaincue. « Je comprends l'attrait, mais j'ai des enfants. Je ne peux pas me permettre de finir à 18h 3 jours par semaine comme Link l'a mis, ça ne marche pas. » Rouge, à côté de Verte, acquiesce et ajoute. « Moi, je suis en stage. Je suis au premier cycle et j'ai plusieurs cours. En plus, je ne peux pas venir travailler 2 heures entre 2 cours et revenir le soir après ma journée, j'ai de l'étude. Ça ne marche pas pour moi non plus. » Link prit alors le temps d'écouter tout le monde et prit des notes. Il fut informé des tâches, de la présence des professeurs, des disponibilités de tous, des compétences et expertises de chacun. Avec ces informations, la deuxième tentative était beaucoup mieux. Le second horaire était vraiment mieux adapté aux réalités de tous. Ils mobilisaient leur expertise et leurs compétences en fonction de leur disponibilité et leurs contraintes personnelles. Tout le monde était très satisfait de cette version. Link était fier. En prenant compte des singularités de tout le monde, il contribuait à la réalisation d'un climat de travail plus juste. Enfin, un nouveau principe de la déclaration à cocher dans sa liste. Quel principe de la déclaration? OmniLink semble si satisfait de respecter. Est-ce que c'est équité ou diversité? À vous la parole. Alors, on va voir, les gens commencent à répondre. Mm-hmm. On a un enfant qui répond équité. Combien? Équité par Olivier, équité, diversité. Ah, okay. On a diversité. Deux diversités. Ah, ça commence à... Ouais, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. On a un tie. Ici. Exactement. Tu vas devoir trancher, Gabriel. C'est encore 3-3? Bon, ben, je vous le dis. Le principe qui était représenté, c'était l'équité. Je peux comprendre comment on peut en arriver avec la diversité aussi. Donc, ce que le principe de la Déclaration de Montréal nous dit quant à l'équité, c'est que le développement et l'utilisation des systèmes d'IA doivent contribuer à la réalisation d'une société juste et équitable. Comment ça se traduit dans notre scénario actuel? C'est que les IA doivent être conçues pour ne pas créer, renforcer ou reproduire des discriminations fondées, entre autres, sur la différence sociale, sexuelle, ethnique, culturelle, religieuse. Comme dans ce cas-ci, on se rappelle que dans le scénario, on avait une mère qui disait que je ne peux pas travailler, j'ai 18 ans, j'ai des enfants. L'autre est un étudiant, un peu moins de temps, il est très sollicité, il ne peut pas donner autant que tout le monde. Donc, évidemment, pour répondre aux besoins et aux particularités de tout le monde, Link avait besoin d'un peu plus d'informations pour pouvoir mieux faire. Fait qu'évidemment, les systèmes d'IA doivent contribuer à éliminer les relations de domination entre les personnes et les groupes fondés sur la différence de pouvoir, de richesse ou de connaissance. Ça va beaucoup plus loin que les horaires. C'est l'équité en général telle qu'on la connaît dans ces définitions modernes. On doit pouvoir bénéficier économiquement, socialement à tous en faisant en sorte de réduire les inégalités et la précarité. Le développement industriel des IA doit se faire dans des conditions de travail décentes à toutes les étapes de leur cycle de vie, que ce soit l'extraction des ressources naturelles jusqu'au recyclage et traitement des données. Fait que il y a aussi l'accès aux ressources, au savoir et aux outils numériques fondamentaux qui doivent être garantis pour tous, comme par exemple, je pense rapidement à l'initiative de GitHub où tout le savoir du numérique fondamental peut être accessible, les codes sont là. Ça donne un accès égalitaire et équitable à tout le monde à faire ces développements-là. Puis l'activité numérique des utilisateurs et des services numériques doit être reconnue comme un travail qui contribue au fonctionnement des algorithmes et crée de la valeur. Je n'ai pas d'exemple précis pour celui-là. On a une remarque. Oui, exactement. On a un exemple d'Amina qui dit, par exemple, le biais féminin-masculin. D'ailleurs, on fait référence souvent des hommes en intelligence artificielle et dans le numérique en général. Ben oui, c'est bon. Puis quand on parle de tout ce qui est biais algorithmique aussi, où justement les gens qui font la conception, l'agrégation des données, puis la valorisation des données, si jamais ils ont juste une perspective très, très, comme on disait plus tôt, en silo,
de la réalité, qui font juste penser à ce qu'ils connaissent eux autres. C'est des biais qui vont transparaître éventuellement dans l'expression de l'intelligence artificielle quand le set de données est mal diversifié ou encore qui ne fait pas assez attention à la diversité de son set de données. Donc on peut penser assez facilement aussi à les exemples qu'on avait eus avec les systèmes de reconnaissance faciale, des fois avec des personnes avec la peau plus foncée avaient de la misère à débloquer leur téléphone parce que les algorithmes à la base étaient entraînés avec pas beaucoup d'images, une grande diversité de couleurs de peau, de teintes ou de traits de visage. Donc ça aussi, ça faisait des gros changements. C'est des sujets qui ont fait beaucoup, beaucoup parler dans la dernière année, les biais algorithmiques, dans le fond, les biais cognitifs qui se transmettent littéralement aux algorithmes, où c'est juste un... J'appelle souvent les biais cognitifs le « power saving mode » du cerveau, parce qu'ultimement, ça nous évite de devoir tout le temps réfléchir logiquement à toutes les situations qui nous arrivent quand on est un peu dépendant de nos biais cognitifs pour avancer plus vite et un peu plus instinctivement. Mais ultimement, quand on tombe dans la science des données, il faut être conscient de ces biais-là, puis travailler contre eux tout le temps, puis être tout le temps à l'affût de ces contraintes-là qu'on a. On demande beaucoup de diversité dans les lieux de travail en intelligence artificielle, puis c'est pas juste pour une équité sociale en général, c'est pour que les produits qui sont créés, les systèmes d'IA qui sont programmés, soient représentatifs de plus qu'une réalité. Donc, la diversité dans les équipes de travail est aussi importante pour l'équité sociale que ce que les produits qu'ils vont créer vont ce qui va transparaître dans la société après quand ils vont être commercialisés, par exemple. On peut continuer avec la petite histoire. Mais merci de l'intervention, j'apprécie. On est encore dans la salle de conférence. Orange, qui n'avait pas dit grand-chose depuis le début de la réunion, dit avec un ton blasé, sans quitter les yeux de son téléphone, on connaît toute une personne comme ça, « En tout cas, moi je trouve ça super, un aspirateur qui peut organiser mon temps. J'aurais pu jamais à faire mon horaire, il peut le faire pour moi. » Tous le regardent d'un air sceptique, et Jean lui répond même d'un ton moralisateur, « Je pense pas que ce soit très responsable de laisser la machine tout faire à notre place. Si on l'avait écouté du premier coup, Bleu et moi, nous aurions encore les mêmes problèmes que nous tentons de régler aujourd'hui, même pire. » Link, qui avait exploré les tâches à faire pour monter les horaires, avait silencieusement continué d'étoffer la répartition des tâches du laboratoire, cette fois en s'incluant dans les membres du personnel. Lui aussi pouvait mettre des compétences à contribution. Il interpella Jean. « Vous savez, je pourrais m'occuper de remplir les demandes de financement sur lesquelles vous travaillez 47,8% de votre temps. Je pourrais les faire en concordance avec un budget très précis. J'ai déjà analysé les demandes de subventions ayant récolté le plus de financement dans les 10 dernières années dans les bases de données de l'université, identifié les mots-clés à utiliser et ciblé la littérature scientifique appropriée pour optimiser les chances d'obtention de montants substantiels. J'ai fait une moyenne du style d'écriture des trois personnes ayant le plus haut taux de succès lors de demandes de financement et j'ai déjà rédigé une première version basée sur leur style. Jean n'est pas en toi. Son air moralisateur s'était lentement mué à mesure que Link parlait en une expression émerveillée et scintillante. On pouvait presque voir un signe de dollar dans sa pupille. Ce robot pourrait lui garantir du financement éternellement. Son succès personnel serait assuré sans qu'il n'ait besoin d'écrire ses propres textes. Il serait un chercheur adulé par ses pairs. Tout le monde voudrait s'allier avec son laboratoire. Il deviendrait une star, une célébrité, le maître du monde! Jaune se ressaisit en constatant que tous le regardaient et que son monologue intérieur transparaissait fortement dans son langage corporel. Lui qui avait commencé à saluer et envoyer des clins d'œil à des photographes et des admirateurs indivisibles. Il se racla la gorge d'un coup et dit solennellement à Orange, « Restons raisonnables. Nous devons rester en contrôle de ce que nous faisons. Le robot peut nous aider, oui, mais il doit être un outil pour nous appuyer. » Link, toujours en train d'analyser ce qui se passe autour de lui, comprend à ces mots que son impact sur la vie des gens doit être modéré et raisonnable, comme le dit Jean, s'il veut respecter la Déclaration de Montréal. Quel principe de la Déclaration de Montréal tempère les ambitions d'OmniLink dans cette situation? Est-ce la responsabilité ou le développement soutenable? Vous pouvez répondre dans le chat. Ça commence. Alors, il y a une personne qui pense que c'est le développement soutenable, sinon on en a quatre avec la responsabilité.
Il y a toujours place à un jeu de mots. Je l'ai pas souligné, mais tantôt, Barbara fait un jeu de mots assez cool avec la diversité, l'équité, la diverquité. La diverquité. Je valide. C'est bon, la diverquité, j'aime bien. Je mets au défi Barbara de réussir à faire un gros mot valise avec les 10 principes. Ça va être génial. Et là. Alors, le verdict, c'est? On a plutôt autour de la responsabilité. Félicitations, c'est bien la responsabilité. Alors, ce que la déclaration nous dit, le développement et l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle ne doivent pas contribuer à une déresponsabilisation des êtres humains quand une décision doit être prise. Donc, seuls les êtres humains peuvent être tenus responsables des décisions issues des recommandations faites par les systèmes d'intelligence artificielle. Et dans tous les domaines où une décision qui affecte la vie d'une personne doit être prise, la décision finale doit revenir à un être humain. Et, un peu plus violent, si on tombe dans les trucs un peu plus militaires, la décision de tuer doit toujours être prise par des êtres humains et les responsabilités de cette décision ne peuvent être transférées à un système d'intelligence artificielle. Et les personnes qui autorisent les IA à commettre un crime ou un délit, qui font preuve de négligence en les laissant les commettre, sont responsables quand même de ces crimes-là. Donc, il n'y a pas de déresponsabilisation par rapport à l'IA. Surtout les deux premiers points, le point sur que les humains peuvent être tenus responsables des décisions, ne peuvent être tenus responsables des décisions issues, et que une décision qui affecte la vie d'une personne doit être prise, la décision finale doit revenir à un être humain. Donc, on peut facilement s'imaginer la situation qu'on vient de voir dans l'histoire avec Jean qui commence à penser que tout son travail de recherche, il va le délester à Link, il va juste récolter les fruits de la célébrité et la reconnaissance de ses pairs, avec Orange à côté qui a l'air de vouloir passer tout son temps sur son téléphone, et puis finalement il faut juste dire, ben mon horaire, c'est la machine qui le fait, c'est évidemment pas des situations très graves, mais c'est quand même une tangente qu'on veut pas prendre avec les intelligences artificielles qui pourrait nous amener aux tangentes du contexte militaire et de délits qu'on a vu dans les deux derniers sous-principes. Sans plus attendre, on peut continuer. On est encore dans la salle de réunion. On a eu Jean qui divaguait sur sa potentielle célébrité. Pendant que Link compilait sur sa recherche et que Jaune et Bleu regardaient l'horaire de plus près, ils analysaient aussi en arrière-plan la discussion qui avait commencé entre Rouge, Orange et Verte. Ils parlaient ensemble de la lointaine pandémie de COVID-19 qui avait secoué le monde il y a de cela quelques années. Link, pensant faire plaisir, profita de sa permission d'accès sur les téléphones des membres du laboratoire et envoya de la documentation sur le cellulaire de Orange, qu'il avait toujours scotché dans la main. Orange porta immédiatement son attention à son téléphone et ouvrit ce que Link lui envoyait. Il regardait le contenu avec un air aussi surpris que choqué, qu'il dirigea vers OmniLink. « Pourquoi tu m'as envoyé des articles sur le plan anti-6G du parti politique QAnon? » Un peu en alerte d'avoir créé une réaction négative, Link lui explique que, basé sur ses préférences, ses lectures récentes sur le développement de la 6G et la discussion qui avait eu lieu en l'instant, il n'a fait que présenter des résultats pertinents corrélés avec ses sujets. Ses paroles eurent l'effet d'une douche froide sur l'ambiance conviviale de la salle de réunion. Le mouvement complotiste QAnon depuis les événements de la pandémie de COVID-19 avait continué à prendre de l'ampleur même une fois la maladie sous contrôle, et s'était organisé en un parti politique qui commençait à prendre du galon et menaçait même de saisir l'opposition officielle lors des prochaines élections. Ce sujet était source de grandes inquiétudes pour des laboratoires de biotechnologie comme le leur, eux qui étaient littéralement menacés de démantèlement si le parti venait à prendre le pouvoir un jour. Vert soupira en secouant la tête. Link est génial, mais il faut continuer à faire attention. Il n'est décidément pas prêt à prendre des responsabilités sans que nous soyons là pour superviser ou vérifier que tout est en ordre. Malgré ses bonnes intentions, il n'est pas encore prêt à discerner tous les dangers que peut comporter le monde. C'est encore trop complexe pour lui. Il faut qu'on puisse être là pour anticiper ce qu'il fera des informations qu'il utilise. Tous acquiescèrent vivement, même Link, qui répondit « Je comprends. Je ne dois pas être trop pressé pour travailler. Je dois évaluer et continuer d'apprendre tout le temps. Et vous, vous devez être patient et réfléchi. Qu'est-ce que vous devriez faire pour que je puisse mieux faire dans l'avenir? » Et en disant ces mots, Link réalise qu'il avait encore du chemin à faire avant d'être conforme à la Déclaration de Montréal. Un autre principe échappait encore à ses algorithmes. Donc, quel autre principe de la Déclaration de Montréal semble échapper à Link? C'est, encore une fois, le développement soutenable ou la prudence? Allez-y. On a une personne qui déjà a répondu avant que tu proposes les principes. C'est vraiment cool.
C'est nice, c'est très nice. C'est quelqu'un qui a ouvert le site web. Aussi. L'illumination. J'ai dit oui. Comme ça que tu sais que tu es avec des geeks dans la pièce. Parfait. Donc, on commence à avoir des... On a deux réponses pour prudence. Mm-hmm. Vous pouvez toujours répondre entre prudence et développement soutenable. Est-ce que Barbara t'arrive à faire un mix? Barbara dit, bon, alors si Olivier a été voir le site web, je dis pareil que lui, prudence. Elle fait donc preuve de prudence et de confiance envers Olivier. Est-ce qu'on peut faire de la prudence soutenable? Le développement prudent, je ne sais pas. On est plutôt autour de la prudence. C'est sûr. On est plutôt autour de la prudence et c'est exact, c'était la prudence. Donc, ce que la déclaration nous dit pour la prudence, c'est que toutes les personnes impliquées dans le développement des systèmes d'intelligence artificielle doivent faire preuve de prudence et anticiper les conséquences négatives de leur utilisation. Ils doivent prendre des mesures pour les éviter. Alors, comme on a vu dans l'histoire, il y a Link qui a commencé à prendre un peu trop de place, qui a fait de l'inférence en désinformation et qui a littéralement proposé des mesures complotistes, des mesures complotistes à Orange sur son téléphone, à cause du qu'il a fait des liens entre la discussion sur la COVID qu'il avait fait et l'intérêt pour la CG qu'il avait eu. Il a envoyé des trucs de QAnon. Et quand on parlait un peu plus tôt du danger de désinformation des systèmes d'intelligence artificielle, ça fait partie de ça. Donc, malgré que ce genre de système-là qui est excellent quand on a besoin d'algorithmes de recommandation, comme par exemple quand on est sur Netflix pour avoir des recommandations de films propres à nos goûts, c'est pas si mal. Mais quand on tombe dans les informations alternatives, les informations alternatives, la fausse nouvelle et la propagande sur des informations qui sont tout aussi fausses, frauduleuses et propagandistes, ça peut tomber dangereux quand on parle, par exemple, du phénomène de chambre d'écho. Donc, toujours être prudent avec la façon qu'on développe les systèmes d'intelligence artificielle, parce qu'il y a toujours, par exemple, une chance de double usage. Par exemple, sur les algorithmes de recommandation, comme on disait, c'est le fun quand ça te recommande de la musique, quand ça te recommande des articles sur des sujets qui t'intéressent et qui sont scientifiquement valables. C'est moins le fun quand ça t'enferme dans une bulle de désinformation et que tu n'as pas développé, par exemple, comme on disait un peu plus tôt dans la déclaration, ta littératie numérique, ta littératie médiatique et ton sens critique. Donc, si tu es enfermé dans une bulle d'articles désinformés, c'est très, très néfaste. Donc, la prudence amène les concepteurs, les programmeurs à se questionner, à savoir si la façon dont ils vont créer certains algorithmes, créer certains programmes, ne pourrait pas avoir un usage néfaste aussi en utilisant exactement la même technologie. Donc, considérer le potentiel de double usage en développement d'une IA, un effet bénéfique et néfaste pour un même système. Quand il y a une utilisation détournée d'un système d'intelligence artificielle qui peut représenter un danger pour la sécurité ou la santé publique, il est prudent de restreindre la diffusion publique ou l'accès libre à son algorithme. Donc, si on se rendait compte qu'il y a ce genre de choses-là qui se passent avec un système d'intelligence artificielle, ce serait de notre devoir de le retirer de la circulation avant qu'on trouve comment le faire fonctionner comme il faut ou encore qu'il n'y ait pas d'utilisation néfaste, ce qui resterait très difficile, hein, parce que ça resterait tellement presque juste des codes génétiques. Avant d'être mis sur le marché aussi, même que ce soit payant ou que ce soit gratuit, les systèmes doivent être fiables et sécuritaires, faire l'objet de tests pour être sûr qu'ils ne mettent pas en danger la vie des personnes, qui nuisent pas à leur qualité de vie, qui ne portent pas atteinte à leur réputation ou leur intégrité psychologique, leur santé psychologique. Et évidemment, le développement des SIA dans l'utilisation néfaste des données utilisateurs et protéger l'intégrité et la confidentialité des données personnelles. Finissons notre histoire. Bleu, qui avait programmé Link alors qu'il n'était qu'un petit code, fut très ému de voir que Link se posait une telle question. Il prit un crayon et inscrivit au tableau blanc de la salle de réunion « Intelligence artificielle. Comment faire pour mieux faire? » Et s'ensuivit, pour tout le reste de la journée, une discussion enflammée et passionnée entre les membres du groupe de recherche. Bleu notait frénétiquement les idées du tableau. Rouge décida même de ne pas aller à son cours de l'après-midi. Il y avait bien plus à apprendre ici. C'est même elle qui fit la première observation. Je trouve tout simplement fantastique que Link ait pu nous permettre de discuter ensemble de nos problèmes d'horaire, même si ce n'était pas parfait au début, et d'exposer nos différentes contraintes. Et je veux le féliciter aussi d'accepter de se tourner vers nous pour se remettre en question, puisqu'il a un fort impact sur nos activités. J'adore qu'il nous permette d'ouvrir la discussion tous ensemble. Pour mieux faire, nous devons continuer de valoriser ce trait chez lui et tous nos autres potentiels systèmes d'IA.
verte renchérie. C'est vrai que ce n'était pas parfait au début, mais une fois qu'il y a eu les informations sur tout le monde et sur toute la diversité qui compose notre équipe, il a su composer avec brillamment. Attention par contre, à 5, c'est simple, mais s'il se met à avoir accès à plus de personnes, il faudra toujours veiller qu'il ait les bonnes données pour servir le mieux possible les singularités de chacun. Tout le monde n'a pas la même réalité, ne se présente pas tous de la même manière dans le monde. Orange, qui avait miraculeusement fermé son téléphone pour la discussion, dit d'un ton appelant à la prudence. N'oubliez pas que tout l'entraînement d'une IA aussi performante que Link coûte très cher en électricité au laboratoire. Et qui dit coût en électricité dit aussi coût en environnement. Personne n'aime en parler, mais le développement de l'IA est extrêmement énergivore. Peu importe si Link a un programme de gestion de sa batterie qui le rend éco. C'est des IA comme lui qui ont un coût beaucoup plus grand que seulement la facture d'électricité. Si plus d'IA comme Link font leur chemin dans le monde, ça devra se faire avec des codes de gestion d'environnement très stricts et conséquents. Suite à tous leurs échanges et ces trois interventions clés, Link scruta le tableau blanc, plein de ratures et de flèches, qui pointaient vers trois mots clés écrits en gras. Démocratie, diversité, environnement. « Ça me rappelle quelque chose », dit-il, en allumant une de ses diodes pour éclairer le mur opposé au tableau blanc, celui qui portait une multitude d'affiches désuètes et négligées. Il concentra le faisceau de sa lumière sur celle qui avait tout commencé, la Déclaration de Montréal. Les membres de l'équipe échangèrent entre eux des regards complices et des sourires satisfaits. D'un coup de manche, Jaune effaça le milieu du tableau blanc. Il prit le crayon que Bleu lui tendait et écrit en grandes lettres « Opérationnaliser la Déclaration de Montréal ». Un projet avec OmniLink AI. Link n'arrivait pas encore à respecter tous les principes, c'est vrai. Mais il était programmé avec un bon cœur et en voyant l'équipe s'affairer déjà à vouloir l'améliorer en accordance avec la déclaration, il savait que ce n'était qu'une question de temps. Et il était prêt à être patient. Et c'est la fin. Et voici la déclaration de Montréal dans son entièreté avec les trois derniers principes qui ont été évoqués par Verte, par Rouge et par Orange dans la dernière réunion. On peut commencer rapidement à regarder participation démocratique. Les CIA doivent satisfaire les critères d'intelligibilité, de justifiabilité et d'accessibilité et doivent toujours être soumis à un examen, un débat et un contrôle démocratique. Et ensuite, l'inclusion de la diversité, le développement et l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle doivent être compatibles avec le maintien de la diversité sociale et culturelle. Ils ne doivent pas restreindre l'éventail des choix de vie et des expériences personnelles. Ils vont être souvent très en affinité avec le principe d'équité qu'on a vu un petit peu plus précédemment. Et en dernier, évidemment, le développement soutenable et l'utilisation des systèmes d'intelligence doivent se réaliser de manière à assurer une soutenabilité écologique forte de la planète. Et ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent, malheureusement, c'est presque même un peu tabou à quel point l'IA peut nous amener des solutions pour gérer, contrôler et comprendre, modéliser les changements climatiques. On ne parle pas non plus aussi à quel point ça coûte cher en énergie, à quel point c'est énergivore et à quel point ça peut être dommageable pour l'environnement. Et ça donne presque un constat nul au final sur l'aide que ça peut nous amener. Et on peut terminer sur cette note-là. Je vous laisse sur cette diapositive de l'équipe des 100 jours de randonnée. Merci beaucoup, Gabrielle, pour ta présentation. Je pense que c'était super intéressant, puis ça a permis d'illustrer un petit peu mieux la Déclaration de Montréal. Je vais terminer la présentation par remercier l'équipe des randonnées. C'était vraiment, ça a été un plaisir de travailler avec vous, puis j'ai toujours été impressionnée par le travail qui a été réalisé par cette équipe avec, d'un côté, Savandara, qui est encore une fois la présidente de l'Association des étudiants en bioinformatique de l'Université de Montréal. On a eu aussi Caroline qui s'est occupée de la communication, Fatima qui enregistre aujourd'hui et qui a aidé aussi tout au long de l'événement, Maria Virginia et Safia aussi qui ont été des grands soutiens pendant les randonnées, qui ont aussi fait des ateliers. Donc voilà, c'est terminé. Merci énormément à l'équipe. On s'est dit pour les questions, on pourrait faire de façon un petit peu plus tranquille si jamais Gabrielle pourrait descendre de l'estrade et vous pouvez l'approcher pour lui parler. Moi, de mon côté, voilà, c'était vraiment un plaisir, Gabrielle. Merci beaucoup. À toi aussi, merci. C'était tellement plaisant. Vraiment, c'était une super histoire, puis très divertissant. Merci beaucoup. Merci.